Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser très facilement et de manière presque gratuite un système d'arrosage pour le jardin. Bon, ce système d'arrosage, il est vraiment très simple à faire avec que du matériel, que des matériaux de récupération. Il a l'avantage de pouvoir diffuser l'eau directement aux racines de vos cultures. Combiné avec un paillage, on peut, je pense, faire à peu près 50% d'économie d'eau. Il vous faudra récupérer un vieux tuyau flexible. Moi ici, c'est un vieux tuyau de pompe de piscine qui partait à la déchetterie. Il vous faudra des bâtons, de la ficelle ou du fil de fer et également une bouteille d'eau. Dans un premier temps, il suffit de percer votre tuyau tous les 20 cm de part en part. Ça vous permettra de mettre des cultures de part et d'autre de votre système d'arrosage. Vous enterrez ce tuyau à la profondeur souhaitée. Donc moi ici j'ai mis 15 cm puisque ce bac de culture va accueillir uniquement des plants de cornichons. Vous ajoutez du broyat qui aura deux rôles. Le premier, ça va être d'éviter que les trous ne s'obstruent, et le deuxième, il servira d'éponge, ce qui limitera encore plus les arrosages au fil de la saison. D'un côté, vous aurez la pression de l'air qui va appuyer sur l'extrémité de votre tuyau. Et de l'autre, vous aurez la pression de l'eau de votre arrosage, de votre arrosoir, qui va venir pousser cette eau au fond de votre tranchée. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce type de système, système débrouille, on va dire, au potager. C'est toujours intéressant de partager ces idées. Il existe de nombreux autres systèmes qui permettent de diffuser l'eau directement aux racines des cultures. Et je pense notamment aux zoyas, qui sont une bonne alternative. Alors, moi ici, je ne les utilise pas, je ne pratique pas cette méthode-là. Je vous invite donc à aller voir la chaîne de Jean-Claude, Jardiner sans travail du sol, qui en parle très bien, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt au potager naturel de Flo, et je vous souhaite à tous un très bon jardinage. Allez, salut, ciao !